Même si ça prend du temps, oh Mayanga. Pardon, donne ma part aussi. Maintenant, donne. Je me suis habillé en noir aujourd'hui. J'ai mis un peu de blanc en bas. C'est pour répondre. Vous allez me tuer de rire sur Facebook. C'est pour répondre à toi, la chèvre, à deux personnes. Ma réponse aujourd'hui, c'est pour deux personnes. Je veux que vous compreniez ça une bonne fois pour toutes. Je vais parler de manière très posée. Peut-être, comme j'ai l'habitude de vous le dire, avec un peu de brutalité, aujourd'hui, je vais employer la manière douce. Coco Kwetu, tête ovale. Prends le tabouret, viens t'asseoir ici. Maintenant, la chèvre, tu as assez gesticulé dans la cuisine des gens. D'accord? Toi aussi, prends le tabouret, viens t'asseoir ici. Il faut que vous compreniez un truc. Je ne suis pas quelqu'un qui est issu sur les réseaux sociaux pour se faire un de l'argent, des partenariats non fructueux ou des partenariats banals. D'accord? La chèvre, je n'ai jamais apprécié ta personne. Et ce n'est pas aujourd'hui que je vais apprécier ta personne. Même si, même si on ne sait jamais, il arrive que soit peut-être que le destin nous lie. Un frère ou bien une sœur vient épouser quelqu'un chez vous. Toi et moi, on ne va jamais s'entendre. Ça veut dire que tant que nous vivons notre mandat sur la terre, autour aussi, on ne peut pas être amis. Je ne veux plus que vous mentionniez mon nom dans vos saletés, vos conneries. Comme tu ne veux pas comprendre, je ne sais pas quelle est la relation qui t'est liée avec Flore. Parce que je ne peux pas donner autant d'énergie pour quelqu'un avec qui j'ai été juste ami. Merci, c'est gentil. C'est mon fils Bagdo qui m'a offert ses lunettes. Je ne peux pas perdre et concentrer autant de temps pour un ami, quelqu'un qui était juste un ami. Il faut que tu nous dises réellement qu'est-ce qui s'est vraiment passé? Quel était ton intérêt derrière Flore? Pour Coco Kwetu, on peut comprendre que c'est le fait qu'on ne veut pas l'assumer, on n'a jamais l'assumé. Et je ne sais pas pourquoi c'est assez dur pour elle de comprendre que l'assumer, là, ça ne va jamais arriver. D'accord? L'assumer, t'assumer, Coco, ça ne va jamais arriver. Ça, c'est ça qui fait le deuxième point. Je veux que vous me laissiez tranquille. Menez vos guerres, faites vos batailles inutiles. D'accord? Quand je suis ici, je viens pour répondre aux gens qui m'attaquent directement. Je ne viens pas pour fusionner mon avis ou bien mon énergie pour combattre quelqu'un. Non. Quand j'ai mes problèmes, je règle mes problèmes avec la personne que j'ai mes problèmes. J'allume ma caméra, je dis ce que j'ai envie de dire. Je finis de parler et puis je me casse. Je ne suis même pas quelqu'un là que... Non, on compte les gens ici sur Internet qui ont mon numéro. Ma page n'a pas de numéro de téléphone. Je ne vois pas ce que je... Pour le moment là, je ne vends encore rien. Je ne peux pas mettre de numéro de téléphone. Donc, oubliez-moi, laissez-moi dans vos choses. Allez vous concentrer. Voilà l'été qui commence bientôt. Buvez les tisanes. Cassez vos graisses que vous avez remplies dans les ventres là. Allez boire les tisanes, vous cassez ça. Parce qu'on dit que l'été, si la concurrence sera rude. Il y a eu trop de bosa. Les petites filles sont dehors. Les petites filles sont dehors. Donc mes soeurs, nous on est comme ça, on est les Goyaviers. 60 ans va arriver, on sera tout comme vous nous voyez là. D'accord? 70 ans même, on sera toujours comme ça. C'est vous qui avez les problèmes de surpoids et de poids. Non, nous on a un poids stable depuis qu'on est petit. On grandit avec notre poids. Ceux qui me connaissent, ils m'ont vu grandir. Ils m'ont jamais vu plus gros que ça. D'accord? Ils m'ont jamais vu comme ça parce que ça n'existe pas chez nous. Donc arrêtez, arrêtez. Tu ne fais plus le Uber, toi la chèvre, avec ta tête ovale à Mongol. Mbé, Langanoa, tu sais quoi même avec toi? Tu ne peux pas te concentrer dans ta vie. Il y a tellement de choses à faire au Canada. Hein? Tu as essayé le Uber. Tu n'arrives toujours pas à te faire une place là-bas. Tu n'arrives pas à te concentrer. Tu essayes autre chose. C'est comme ça que la vie est. Regarde-moi, je suis venu en Belgique. J'étais en Italie. Ça ne m'a pas plu. Je suis parti en Suisse. Je n'ai pas pu rester. Je suis venu en France. Ça ne m'a pas plu. Je suis parti en Belgique. J'ai aimé. Je suis resté. Hein? Et maintenant, me voici qui est au Luxembourg. J'aime toujours, j'apprécie. Ça me plaît beaucoup dans le cœur. Vous ne pouvez pas vous occuper. Occupez-vous. La personne sur qui vous concentrez l'énergie là a décidé qu'elle ne veut pas vous répondre. Elle vous a répondu la quantité, la qualité qu'elle vous répond. À un moment, c'est bon. À un moment, c'est bon. Vous exagérez les mains.
Bien, dors-le. Quand on va vous insulter les fesses ici, on va entrer dans vos condyloms, on va parler ça ici, là. On va décortiquer vos baisses. Vous allez nous taxer de personnes impolies. Non, ce n'est pas de l'impolitesse. Tant que les choses se passent de manière tranquille, nous, on est là, on peut causer, hein. Facebook, si est grand, c'est comme la planète Terre. Chacun peut trouver sa voie. J'ai vu, il y avait un Congolais ici, un couple Congolais ici. Avant, ils faisaient l'amour sur Facebook, non? Ça, c'était leur concept. Crée-toi ton concept. Tu es venu dans les trucs PDGistes. Ça n'existe même plus les PDGistes aujourd'hui. Tu es toujours sur ça. Chacun a trouvé sa route. Tout le monde fait sa vie. La chèvre, c'est quoi? Jusqu'à tu as besoin de venir prouver. Donc, ce qui veut dire qu'avant, là, tu n'avais pas la cuisine. Alors, si c'est maintenant que tu montes ta cuisine, avec autant d'années que tu es, tu dis que tu es au Canada, canadienne de par excellence. C'est en 2023. Que vous venez nous fatiguer avec les cuisines. Au final, vous voulez quoi, mien idée? Vous voulez quoi, réellement? Voilà aussi la mère Chantal, là, ici, là-bas. Vraiment, la mère. Il faut qu'à un certain moment dans la vie, chacun trouve sa place. Et chacun accepte même sa place qui est sa place. Nous, on vous a connu au Cameroun. Vous avez chanté les chansons qui ont bercé notre enfance. Hein? Les réseaux sociaux, s'ils font une certaine proximité, on n'arrive plus à distinguer entre les stars et les non-stars. Les stars, on a un blogueur. Est-ce que tu étais obligé, la mère Chantal, de venir raconter tout ce que tu as vociféré, tu vociférais sur Internet, là, hein? A dit que la frontière de la confiance ne tient qu'à une paire de gifles. Raconter toutes ces conneries-là pour pleurer. Après, pleurer quoi? Vous nous dérangez. Restez souvent tranquille. Restez souvent tranquille, les parents. Parce que c'est une parole. On dit en bétique que un bébé qui a loué un bois, c'est une parole qui appelle une autre parole. Quand vous venez, merci Rose Rouge, quand vous venez vous exposer sur Internet, sachez que vos histoires nous concernent tant que c'est sur Internet. Maintenant, si vous ne voulez pas que nous, on doit connaître et parler vos choses, vous gardez vos choses chez vous. Moi, je vais te dire aujourd'hui, tu as très mal fait. Ta sortie était nulle. Je ne sais pas si c'était vraiment... On doit te donner le Grammy Award de la sortie la plus nulle qui a existé sur Terre. C'est quoi ça? Ce sont des choses comme ça qui alimentent aussi un peu le tribalisme à un certain moment. Arrêtez souvent ces choses-là. Les parents, on vous parle. Si vous voulez, vous nous tapez. Arrêtez souvent. Tu ne peux pas venir parler. Et quand je t'entendais parler, tu parlais au nom de toute une communauté. Non, personne ne t'a envoyé. Apprenez souvent à aller parler pour vos intérêts personnels, pour les liaisons qui vous lisent avec des gens, pour les amitiés que vous avez avec les gens. Ne venez jamais parler au nom de toute une communauté. Tu exagères, la main. Tu exagères. Hein? Si tu pouvais demander que tu veux passer là-bas pour annoncer, pour dire aux gens, hein, que tu as peut-être un nouvel album. Moi, j'ai toujours dit, Abel Sana, j'ai encore fait quoi? Moi, j'ai toujours dit ici, hein, quand tu es une artiste, que tu chantes les chansons, les gens dansent, tu ne connais pas les qui te suivent. Tu ne connais pas dans quelle région même on te suit, on t'aime même beaucoup plus. Quand vous n'avez rien à dire, tournez souvent vos langues 78 000 fois, chers artistes, avant de faire vos sorties et de donner vos opinions. Parce que vous avez les gens, quelqu'un peut décider qu'il ne te suit plus, ne t'aime plus, chante. Non, mais arrête ça, dis donc, hein. Tu es devenu chanteur ici, ma percute, ma... Laisse la main, laissez-moi dormir, laissons ça. Parlez, on sait que c'est vos amitiés, parlez. Après, vous allez faire, on va vous insulter. Nous, maintenant, ça va nous faire mal au cœur. Hein? Faut rester tranquille. Vous n'êtes pas obligé de sortir à chaque fois. Acceptez qu'on vous traite d'hypocrite, acceptez ça. De toute façon, c'est comme ça que le monde fonctionne. Hein? Vous n'êtes pas obligé. Maintenant, tu es sorti, tu es venu, tu as chié sur toi-même, tu as pissé sur toi-même. Hein? Est-ce que c'est alors bon? La honte est où maintenant? Ce n'est pas avec toi? Ce n'est pas avec toi. Tout le monde connaît ta position. Hein? Et tu as le droit de soutenir qui tu veux. Chacun a son droit et ses intérêts personnels dans la vie. Il n'y a aucune loi qui interdise quelqu'un de ne pas soutenir quelqu'un. D'accord? Donc, soutenez vos gens, mais ne venez pas prendre les prises de parole en public. Ce n'est pas pour tout le monde. Gladys, Québec, elle me demande que Gladys ne travaille pas. C'est ton père qui s'occupe de moi, hein, Gladys. Pour le moment, là. C'est ton père encore qui s'occupe de moi. Je suis trop fatigué. J'avais beau à ma soeur. Donc, ne venez pas souvent parler pour ne rien dire. Parler pour dire quelque chose. Si tu serais venu, tu aurais dit que tu soutiens le père à mon Belinga.
Oui, c'est de ton gloire. Personne ne peut t'interdire ça, de le soutenir. Mais ne viens pas rajouter tout ce que tu rajoutes derrière là. Ça tire beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Ça fait qu'on mélange tout le monde, on met dans le même panier. Quand vous parlez par là, votre nom, parce que nous, quand on a nos problèmes ici, là, on parle aux gens qu'on a envie de parler. Ou bien si vous ne pouvez pas taper les paraboles, nous, on va comprendre. On aime le Congoussa, on va décortiquer, on va chercher, on va faire les rapprochements. Bonjour, ma tata Liliane Groslo. La grand-mère de l'humanité. Hein? La mère chante, chante-nous les chansons. Hein? Ne venez pas faire les trucs comme ça, ce n'est pas bien. Madinki. Et puis vous êtes en train de vous éloigner de la star, des stars que vous êtes censé être. Hein? Parce que quand tu viens à te placer ici sur Facebook ou quelqu'un te salue en live, tu lui réponds directement. Ça crée une certaine proximité. Ça, on est d'accord. Ça crée une certaine proximité. Juste le fait que tu prononces les noms. Rester star, normalement, une star ne parle pas beaucoup avec les gens. Ça diminue la starmania. Hein? Ça diminue la starmania. Il y a les stars camerounaises ici en Europe. Vous allez m'excuser. Même s'ils font le concert à 5 euros, je ne peux pas payer mon argent. Parce qu'ils le voient dans les bars. Ils sont dans les tourneaux d'eau. Ils achètent les mêmes ailes de poulet que nous tous on achète. La formule à 15 euros. Ils boivent ça. Et moi, je vais encore aller prendre mes 50 euros. Parce que tu me dis que tu es en concert. Pourquoi? Pour venir te fuck. Je vais t'attendre au bar qu'on va manger les ailes de poulet là-bas. Hein? Je récupère encore les gens qui me demandent là que je dois aller. J'ai beau ça. 6 ans, c'est peu pour que quelqu'un ait déjà récupéré. Il me faut même 10 ans. Voilà les compresseurs ici comme ça. C'est maintenant qu'elles viennent commencer à vivre. Si c'est les 2022 qu'elles sont venues nous dire qu'elles ont. Moi, je suppose qu'elles se reposaient. Parfois, nous, on les juge là. Peut-être qu'elles étaient en repos. Hein? Laissez souvent ça. Laissez ça. La belle chanteuse là, sinon on doit te parler. Ne fais plus ça. Quand tu parles les choses bizarres, 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 parle en cachette. Ne viens pas dire que... Et pendant le père me... mais ça parle de temps là. Et vraiment les Camerounais, Dieu nous a créés. Dieu nous a fait. Pardon si quelqu'un est content de sa nationalité camerounaise qui me met un peu les cœurs là. C'est ce qu'il voulait aussi vous demander. Les cœurs là, on ne partage pas ça, on ne mange pas ça. C'est pour que ma page sociale là, que le Congo ça dure un peu plus. Voilà. Et nous tous, on fonctionne ensemble. Celle qu'on appelle, la dinde qu'on appelle Oshiga, jusqu'à maintenant, elle ne s'est pas encore épilée. Vous voulez même quoi à la fin? Hein? Vous voulez quoi? Je vais ouvrir une association ici. Voilà l'été qui commence bientôt. Épargnez-nous les détails. Voilà l'été qui arrive. Les odeurs, les filles comme les Oshiga, comme ça, avaient beaucoup de poils aux aisselles. C'est elles qui nous empestent dans les transports publics ici. Épilez-vous, lavez-vous. CCC, Samburu, Swab Mekaba, Dove. Il y a tellement de savon. Hein? Mais moi, je vais vous dire ce que moi je fais, parce que je ne peux pas faire comme tout le monde. Moi, je suis chez Karimo, chez l'Empire Karimo. C'est là-bas que nous, on se lave bien. Et on trouve l'huile qui va bien avec notre peau. Pour que quand nous aussi, on vient parler ici, on nous voit comme les gens. Hein? Dans mon côté, là où je suis chez Karimo, là, c'est la gamme mannequin. C'est 25 000 francs CFA. Il y a le numéro sur la page, dans toutes les pages. Tapez seulement que Karimo, vous allez voir. Ce n'est pas comme si c'est une fille qui est cachée. Pas les filles qui tapent l'huile à la maison, là, dans les plats. Elles plient les petits plats jetables, elles mettent là. Elles commandent les étiquettes en Chine ou bien sur Amazon. Elles collent sur les boîtes. Non. Ici, on parle que c'est trop professionnel. Quand je ne me lave pas avec le savon, là, c'est comme si je ne me suis pas lavé. Donc, je voulais aussi vous dire ça. La mère Chantal a ici demeure dans ta starmania. Ah, papa maï comé. Ah, papa maï comé. Maï comé. Maï nebi mano kom. Tu pouvais venir chanter la chanson, là. Tu demandes qu'on arrange. Hein? Merci, me pua. Je vais très bien. Tu pouvais venir nous chanter ta chanson ou bien, je ne sais pas. Nos parents d'avant, là aussi. Je ne parle pas. Ça me donne le dos. Pour rester aussi fit, jeune. Hein? Quand vous confondez avec les enfants de 13 ans, 15 ans. Parce que moi, quand je rase la barbe, quand je peux acheter la cigarette. Hein, en Allemagne, on me demande toujours Osweiss. Merci l'international Latifa.
On me demande toujours que je présente le os vase. Oui, très jolie langue de bois. Mets-moi alors le cœur, comme tu m'as apprécié là. Donc, buvez un peu de clou de girofle, un peu de l'oreiller, le thym, avec du citron. Moi, ça, c'est mon thé. Je le prends normalement à jeun. Fred Ranson, bonjour, comment tu vas? Mais oui, moi, je n'ai pas besoin de discuter. C'est Karimo qui a parlé. Hein? Mais je ne suis pas toujours d'accord. Mais vous savez alors que la force de l'argent, non, maman, qui ne veut pas que pour lui soit bien. Oh, tu ne parles plus de Karimo mal. Tu ne parles plus. Karimo est bien. Karimo est très jolie. Elle va se marier avec. Elle va se marier avec son mari là. Je préfère. Oui, j'ai réfléchi. Karimou, très jolie. Faut accoucher encore là-bas. On va venir faire le voir bébé. Hein? C'est quoi ça? Que maintenant, ni. Vous-même, vous pouvez. Vous êtes malade dans vos têtes. Vous êtes fou. Karimou, très bien. Sois avec ton Kassala. Soyez ensemble. Vous allez même vous marier à l'église. C'est moi qui dis ça. Si vous voulez aller vous pendre, c'est moi qui avais d'abord parlé l'autre. Je suis encore venu dire ce matin qu'ils vont se marier. J'ai bien réfléchi. Comment? Que les gens sont là-bas au Cameroun, même les cagres, n'ont pas l'être. On te dit seulement que. Mais, pardon. Vous êtes malade dans vos têtes. Karim est très bien avec son Kassala. Ils vont. Karim aussi, j'aime pas. Fais un enfant l'année-ci. Nous, on veut un bébé l'année-ci. Une fille. On veut ça. On veut encore une fille. Et elle va même prendre. Je vais écrire en Turquie que donner la nationalité à la fille là. Elle est très bien avec son Kassala. Je vous conseille, les filles camerounaises, fuyez les gars noirs. Même si c'est l'on Kassa, prenez. Comme vous, les gars noirs, vous avez les sales habitudes que vous êtes avec les enfants des gens pour leur faire croire que vous les avez mis dans votre bateau. Vous partez louer une petite maison, une petite chambre, vous vivez avec eux. C'est là où vous les tapez tous les jours. Quand vous avez l'argent, vous vivez avec vos bordels dehors. Cherchez l'incassa, mes soeurs. C'est moi. J'ai dit ça. Cherchez. Il y a les sites. Allez les trouver là-bas. Si vous ne pouvez pas, faites de l'aventure. Même les Algériens, prenez. Les Marocains, mariez-les. Les Tunisiens. Faites de l'amour avec accoucher les enfants. Les enfants là sont même très beaux. Regarde le fils de Karimou. Très joli. Karimou avec son cassin. À vie. C'est moi-même. Karimou, le jour où vous allez vous marier, c'est moi qui va être garçon d'honneur pour ton Kassala. Je veux même lui dire que coïn-moi, j'avais mal vu. Je veux lui dire pardon, sois avec Karimou. Oui. Karimou, fuis tous ces gars. Donc, je vous ai répondu. Non, tata Liliane, je suis fatigué de. Hein? Ils aiment tout la guerre. Que tu n'insistes plus. Oh, ni, avant j'étais d'accord avec toi. C'est comme si Karim va se marier avec son Kassala. C'est tout. C'est ça. Il n'y a plus rien à faire. On a réfléchi. Karim, aussi, même si c'est ta grand-mère qui est au village, dis qu'elle vient en Turquie avec toi. Pas avec tout le monde. Même les chèvres, les chats, les chiens, amène-les là-bas. On est fatigué. On ne peut pas vivre comme ça. Un gars vit avec une fille 9 ans. Il est là, il parle mal à la fille. 9 ans. Et elle est là aussi, mon gars me tape les mougous. Mon gars me tape. Allez, nettoyez bordel, mieux. C'est mieux. Mieux. Je préfère. Moi, ma soeur. Je vais écrangler quelqu'un. Tu me dépasses avec la force et cherche les Nangaboko. Dis tout correctement. Oui, boum, tu comprends qu'il y a soeur et soeur. Il y a les gens que, quand tu avais les soeurs, viens le voir, tu dis que vous faites comment. Là, moi-même, je sais que tu es parti avec ma soeur, je te connais. Que ma soeur rentre un jour, elle me dit que le show là. Hey! Donc, je crée une équipe de football là, 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 là. On va venir jouer le football sur ton corps. Avec ton corps, on va te botter. Tu vas comprendre que la terre est sale. Donc, Karimo, sois avec ton Kassala. Je vous aime comme vous êtes là. Et puis vous êtes même bien ensemble. Hein? Tes enfants là, ta fille là aussi, la première là, t'es très jolie. Inscris-les là-bas.
S'il y a même tes cousins, amène-les aussi. Ils trouvent ça parle pour eux, les cassins. La famille s'agrandit. On sera, tu seras la famille, la, c'est toi qui vas représenter la Turquie dans ton village. Bonjour, ma grande sœur Florine Amour. Ah, c'est le clou de girofle qu'elle boit comme ça, c'est pour rester jeune. C'est aussi bien, c'est préventif pour le cancer. Ça nettoie aussi bien la ceinture rénale. Hein? C'est pour ça que nous, on est toujours excités, même dans les bus. On va voir le problème là. On doit stabiliser notre excitation. Ces gars camerounais sont trop excités, trop, toujours prêts à féconder les enfants des gens. Toujours prêts pour féconder. Je ne sais pas ce qui les arrive. Même qu'ils ont mis à Bobang Tenal. Même qu'ils font, je ne sais pas ce qui se passe dans la tête. Mais c'est une bonne chose pour la nation et le continent. On doit se reproduire. Mais la masturbation aussi, c'est parfois bien. C'est le clou de girofle, le thym, le citron et l'oreiller. Je bouge ça pendant 3 à 4 minutes. Je fais comme ça. Je bois dans la bouche, ça arrive dans le ventre, ça nettoie bien ici. Toutes les filles que j'ai pinées dans ma vie, hein, je jure, elles ont eu un petit retard. C'est seulement qu'elles m'ont voté. Je vais faire la liste. Un jour, ça va monter dans ma tête. Je vais vous exposer. Vous me connaissez bien. Un jour, on va m'envoyer pour la Jamaïque. Je vais tirer ça deux fois. Je vais vous exposer. Avec moi, on ne dure pas dans mauvais rêve. Vous me connaissez. On se connaît. Ce n'est pas comme si on apprend à se connaître. On se connaît. Comme je suis là, c'est comme ça que je suis. C'est comment ça est. Donc, je vais vous laisser. Je vais aller faire mes choses. Il y aura loin de la vie privée, ce qui ne vous concerne plus, non. C'est ça qu'elle va aller faire maintenant. Entre-temps, il faut que vous compreniez que ce que je voulais partager avec vous, j'ai déjà fini de parler. Je n'ai pas clashé la mère Chantal à ici. Les gens qui rapportent les nouvelles. Yassine Yami et Branyouandundouan, le Congosa, Mfugu, trop parlé. Allez dire que j'ai dit en tant que Camerounais et enfant du continent camerounais et en tant qu'un de ses fans même parce que j'aime Papa Maï comme et ici c'est la mer, là c'est le soleil. Pardon, j'aime ces chansons-là. J'ai dit non, la mer a mal fait. Sa sortie était nulle. Ce n'était même déjà pas d'abord nécessaire. Voilà, c'est moi qui a parlé ça. J'enlève mes lunettes, on me voit aussi. Ce n'est pas comme s'il était caché, c'est moi, ce sont mes yeux. Voilà, je reporte. Il y a le soleil aujourd'hui. Mettez-moi les cœurs, non, c'est comment? Et j'aime aussi la veuve, je voulais te féliciter. J'aime beaucoup ta nouvelle vie, ça me plaît. Je partage ça avec toi. J'ai beaucoup rigolé hier dans ton direct. Hein? Ton père là te convient beaucoup, je te dis. Si j'entends qu'une bordelle a essayé, la veuve, contacte-moi. Tu vois, je veux venir, j'entre dans la bagarre. Je n'ai jamais laissé une modèle en détresse pour discuter son mariage. Même si c'est vrai, les dents, je croque. Oui. Je pense que si le coup de poing m'a dépassé, me lobe et me son. Elle va fuir. Je connais la force de mes dents. Quand j'attrape la peau, ce n'est pas pour relâcher. On me tire, je pars avec la peau là. Moi, je ne peux pas faire les combats qu'elle veut donner les coups de poing. Je n'ai pas d'abord la masque qu'elle doit cogner avec. J'aime le contact. Dès qu'il y a contact, bam, si c'est le nez que j'attrape, je pars avec. Vous allez me donner tous les coups que vous voulez là, je pars avec le nez là ou l'oreille. Voilà. Donc la veuve, sur ce côté-là, tu as un petit renfort. Mais n'attaque pas au cyclo, on peut nous battre. Et les gens qui sont rapides te donnent un gangoumbala, tu confirmes que la terre est sale. N'amène même pas tes soeurs là-bas. Fais comme moi. Mes copains bordel me détestent pas. Elles disent que... Elle disait qu'il n'est pas le blanc qui manque, que ce n'est pas un blanc. Parce qu'elle ne laisse jamais amener. J'ai décidé qu'elle ne vienne pas. Elles vont dire ça chez elles là-bas dans leur bar, dans leur cave où elles s'embaument les narines, les coca, la cocaïne, là, c'est là-bas. Donc, ma veuve, c'est à Carcassonne, non? Reste là-bas. S'il y a l'aéroport là-bas, on t'attaque. Je suis ici au Luxembourg, je prends le vol direct. Je ne suis pas un Sankaolo. Agema Kaolo. Aïe.
Ok, viens d'attacher le tout, c'est coupé. Ne pensez pas qu'elle veut fumer devant vous là. Il m'y a qui m'a normé, deux dames, qui m'a barlé, n'a moussené, on danga, nous banga, dire, danga, nous, ma nya, nous banga, et à nous dan, ni qui m'a mis à nya, m'y cousse, m'y tombe la zout. Vous aimez trop le Congo, ça, je vous dis ça. Hein? Les bordels sont ça, elles s'épuisent avec le tabac. Mais elle parle mes choses que à nous banga abonné. J'achète avec votre argent. Ou bien vous m'avez vu danser sans caleçon dans un carrefour parce qu'elle fume le banga. Le banga que vous voyez ici n'est pas mauvais. C'est son nom qui est gâté. Je vous dis ça. J'aime. Je veux fumer ça jusqu'à. En Europe ici, là, on vend ça, on fume ça et rien ne sort. C'est là-bas. Quand elle veut venir au Cameroun, elle ne fume pas. Je ne fume pas ça là-bas. Moi, je vous ai tout dit qu'au Cameroun, je suis hétéro. Je suis normal. Tant que personne ne m'a vu avec personne, foutez-moi la paix. C'est ici en Europe que je vis tout. En Europe ici, je suis même une femme. Je suis un trans. Je suis couchée. Parce que c'est ma vie en Europe. C'est moi-même qui est venu prendre le risque de venir tester les expériences. La reine est même d'abord encore sûre. Parce que moi, je suis jeune. Je peux être là que je suis un pansexuel, que je veux seulement découvrir les choses. Et le père, si lui-même sait ça, j'avais dit ça au début. Que moi, tu peux me voir avec une fille là. Mais, il faut qu'elle soit une fille de la gloire. On va quand même aller partager tout. Comment? Une fille qui veut faire enfant avec moi, elle me paye. Oui. Les pins plein, Joe. Tu veux faire enfant, tu me payes. L'enfant est trop dur. Je vends mon arbre généalogie maintenant pour être Yanda maintenant là. C'est trop dur. Yanda et Tenga. Tu as vu le mélange là? Merde. Je vends. Même si on fait, je connais calculer dans ma tête. Les filles qui pèsent les capotes là, nous on vous connaît. Même s'il y a le Ndamba. Quand on veut clasher, c'est d'or. Pas dedans. Voilà, donc. Ni la dernière fois. C'est bordel. La dernière fois, quoi, je suis pas hétéro. Je nie, je discute. L'autre connaît, non. Elle voulait me faire ça. Elle voulait m'amener les choses de bordel là, ne sachant pas que moi-même, je suis une vieille rombière. Elle a montré que ce qui dort en haut de l'arbre, non. Ça peut être beaucoup de choses, hein. L'hibou, la chauve-souris, le singe. Je ne fais pas partie de ça. Je n'ai rien enceinte. N'enceinte. Je suis d'abord stérile. Hein? Je ne fais pas d'enceinte. Langue du bois, je n'entends pas ce que tu as dit. Et maintenant, mes copines hypocrites là. Restez dans votre hypocrisie. Je vous ai laissé le terrain là. Mais, chaque fois que vous allez m'attaquer, vous allez me trouver. De près ou de loin. Adé. Ogabai mi botton belle koulou mayatiye. Ogabai mi botton belle koulou mayatiye. Bonsoir. Azikiwe, bonsoir. Ayo, bonsoir. Azikiwe, bonsoir. Ayo. Hey. Ayo. Ceux qui viennent se former demander là qu'ils ne travaillent pas, vous-même, vous n'êtes pas au travail. Si vous étiez tout au travail, ou bien vous travaillez dans mon direct ici. C'est qu'on a alors dans notre société, non, les gars. When I reach to buy me fine things, to arara that yeah. If I tell me say you feed do me better, do I understand? Since you want to like keep plenty money, when you show me say you fit shake your body, you be teman no be for mountain. Teman do something, amurege. Oga buy me bottom belle, kulu my auntie yeah. Ouais, mais bon, ton bel écoulou, ma yantie, bon souhait, vas-y, qui est bon souhait, aïe, aïe.
Que les ténèbres disent que quoi? Franchement, il faut que vous arrêtez vos choses là, vous aussi les petites filles là. Quand vous me voyez, vous croyez comment elle peut faire les associations. Tata Lolo, c'est ma copine, point barre. Le reste là, je ne suis pas avec vous. Je tiens à le préciser. Tata Lolo, NB, NB. C'est comme ça qu'on dit non. Tata Lolo, c'est ma copine, c'est ma personne. D'accord. Mais le reste là, je ne vous connais pas. Faites vos partenariats de sorcellerie. Je ne suis pas avec vous. Je peux intervenir. Je ne peux pas m'allier. Mais je ne peux pas me lier avec vous. Le plan que vous avez en tête là, je trouve ça trop machiavélique. J'ai encore un peu d'humanisme en moi. Un peu de crainte de Dieu malgré ce que vous nous reprochez, ce que vous dites que nous faisions là. Moi, il y a des choses que je ne fais pas. Donc, Tata Lolo, c'est ma copine. Le reste là, je lève les mains. Je suis en noir. Je lève les mains. Ne m'amenez pas dans votre sorcellerie. Je n'ai pas le temps. Je ne suis dans aucun groupe, dans aucune team. Je suis là pour moi-même. Et je n'ai pas de problème. Moi, tant que je ne monte pas dans les... Je n'interdis personne d'insulter personne. Parce que quand les gens m'insultent, on n'interdit personne de venir m'insulter. Donc, je tiens aussi à préciser ça, mais je ne suis dans aucun groupe. Je ne suis dans aucun groupe. Celui qui dit qu'il est dans le groupe avec moi, il faut qu'il vienne vous montrer nos échanges, nos conversations, même nos appels. La seule personne avec qui j'échange au téléphone, je le dis et je l'assume, c'est Tata Lolo, parce qu'elle est ma copine. C'est ma personne, Tata Lolo, c'est ma copine. Voilà. On va respecter cela. La terre sera tranquille. Regardez le soleil en train de commencer à sortir. J'ai porté mes lunettes. Je veux fumer mon petit départ dans mon balcon tranquillement. Je n'empêche personne d'être heureux. Ceux qui ont trop la rage et les muscles là, allez travailler, nourrissez vos familles, construisez les villas et les immeubles. Quand on va venir vous dire que vous nous donnez à manger ou bien la place pour dormir, dites-nous que non. Dites-nous qu'on ne nous donne pas. Voilà. Il faut nous refuser l'hospitalité là. Pour le moment là, c'est dans ça que je suis. Les ténèbres, je ne suis pas avec vous. J'aime la couleur noire parce que ça me convient de temps en temps. Faut pas que quelqu'un va attribuer mon accoucrement au... Je ne suis dans aucun des ténèbres. La chèvre et moi, on ne va jamais s'entendre. La terre est finie, elle recommence. Coco Kouetou. L'antiquine, tu machiavélique. On ne va jamais s'entendre. Jamais de la vie. Et tout le monde qui me connaît sait que ça ne va jamais arriver. Vous et moi, on ne sera jamais amis. Je ne vais jamais m'asseoir avec vous ou bien avoir une conversation téléphonique avec vous. Ce n'est jamais d'ailleurs arrivé et ça n'arrivera jamais. Jamais et à grand jamais. Je n'ai pas le temps là. Parce que je connais vos fonctionnements. Ne pensez pas qu'avec tout ce qu'on a entendu et vu de vous, moi particulièrement, je vais aller me lier d'amitié avec vous, les miss et les professeurs dans l'enregistrement. Vous pensez qu'on a les cervelles frilatées comme les passoires comme vous? Non, on ne peut pas être amis. Mes frères et sœurs, si j'étais ami avec les gens là, ou bien si je faisais un Congo sans un truc qui est bizarre, c'est comme on m'a enregistré, comme on m'a balancé ici là. Si quelqu'un j'ai fait le Congo sans avec quelqu'un, la seule personne avec qui je cause, c'est Tata Lolo. Si j'ai parlé avec quelqu'un de là, qui amène les captures d'écran, ou bien il amène les voices, tout le monde sait que c'est les gens qui aiment enregistrer les gens. Tout le monde vous connaît. Donc je ne peux pas faire l'amitié avec vous. Jamais de la vie. Les Patricia Groné, celle qui a le nez comme si on lui a laissé l'héritage, là, elle doit payer les taxes de respiration. Jamais de la vie, on ne va s'entendre. Jamais. Et mais alors là, jamais. Je ne suis pas dedans. Je ne suis pas ce genre de personne. On ne peut pas s'entendre. Vous êtes trop machiavélique pour être mes copines. Moi-même, c'est vrai que j'ai certaines choses que j'ai eu à faire de ma vie. Mais votre cas, elle est. Les vieilles mains qui se cachent et derrière les faux profils. La vieille chose qu'on appelle la chef. Franchement, c'est une maman qui est déjà dans la cinquantaine. Elle perd le temps. Donc, tellement elle a raté dans la vie réelle. Elle veut se créer avec force et brutalité une vie virtuelle qui ne fonctionne même pas. La plus ridicule des femmes camerounaises sur Facebook, c'est la chèvre du Canada. Après, à ça vient s'ajouter
La sciure qu'on appelle Coco Kouetou, hein, celle qui a souillé dans toute une région. Moi, je ne savais pas que les Bamoun faisaient le Ntikintu. Hein. C'est derrière Coco Kouetou que je viens connaître que même les Bamoun Ntikintuisent. Et vous pensez que je peux faire l'amitié avec ce genre de personnes-là qui enregistrent les gens à temps et à contre-temps. Moi, je vais aller faire l'amitié avec eux. Non, mais à un moment, je sais que vous me détestez, mais réfléchissons un peu. Réfléchissons un peu. Hein? Ne tombons pas dans le fanatisme de la haine, la colère. Réfléchissons un peu. Si, je vous le dis toujours, j'étais une personne qui perdait le temps derrière les conversations banales de parler des blogueurs, des bordels, des choses, des sales trucs qui ne vont même... Quand je ne suis pas sur Facebook, je ne parle pas les choses de Facebook. Je ne parle pas les choses de Facebook quand je ne suis pas sur Facebook. Je parle de ma vie. Facebook me sert à quoi? À part se créer les ennemis virtuels qui te connaissent, mais toi tu ne leur connais pas. Ça me sert à quoi? Si j'ai toujours dit, si quelqu'un veut se discuter avec moi, qui veut qu'on échange, il prend sa caméra, d'accord? Il prend sa caméra, il allume, il s'assoit face à face, on se regarde, on se dit les mots. J'ai l'amabilité d'écouter. Et je veux qu'on m'écoute aussi en retour. Mais sinon, si c'est pour chamailler à fouler, que comme les Bayam Selam, j'ai l'énergie, j'ai le souffle là. Je ne cause pas avec vous. Je ne cause pas. Si j'ai déjà causé avec vous, vous êtes les pères et les mères des enregistreurs. Vous devez même avoir des studios. D'accord? Amenez les conversations ou bien venez avec les captures. Je ne parle pas avec vous. Je n'ai pas votre temps. Je n'ai pas votre temps. Je ne cause pas d'abord avec beaucoup de blogueurs. Je le dis et je l'assume. J'assume mon copinage avec Tata Lolo. Tata Lolo et moi, on est copines jusqu'à ça se verse. Mais on ne fait pas le Congo ça. Je vais partir dans la TV de Tata Lolo à sa télé. Tata Lolo et moi, on a nos clauses. Qu'elle respecte et que je respecte aussi ses conditions. Je connais les gens qui sont ces gens. Il y a les gens que même si elle me dit de ne pas insulter, je vais les insulter. Je connais ces personnes que je ne peux pas toucher quand elle me dit non. Parce que je connais qu'elle a toujours fonctionné avec ces personnes-là. Et elle et moi, c'est pareil. On ne parle pas de mes amis. On ne parle pas de mes amis. Si je faisais le Congo ça, hein, quand on vient, on s'assoit ici, on parle des blogueurs, on débat. Non. Quand Tata Lolo et moi, on parle, on rit, on parle des projets, on peut même faire une télé-réalité, on peut faire comme ça. Elle me conseille les informaticiens. D'accord? Ou c'est Paquita et Kobo. J'attends que ton grand-père se ressuscite de sa tombe pour venir m'épouser. Avec la dark rose aux encrichants. Regarde-moi les saletés comme ça. Tu n'es pas encore marié. C'est ton grand-père qui t'avait raconté qui m'a demandé en mariage. Un bon touillant à Oazout. Vous ne saurez plus rien à ce sujet-là. Ça aussi, je voulais le préciser. À ce sujet, ce débat, il est clos. Voilà. Ça a permis en sorte que, quand je voulais parler de ça, tout le monde m'a montré sa place. Et puis voilà, j'ai très bien fait ce qu'il fallait. Et puis maintenant, vous ne savez plus rien. C'est tout. Mais pour le moment, nous vivons. Et nous sommes toujours là où vous nous avez toujours vus. Malgré le fait que vous avez dit que oh, on nous a chassés ou quoi que ce soit. Vous ne saurez plus rien par rapport à ce sujet. Marié ou pas, il n'y a pas. Ce sujet est clos. Ce débat est clos. Je veux parler là maintenant pour les gens qui disent que... Et vous aussi, les petites filles là. Quand vous les petites blogueuses. Moi, j'ai déjà d'abord, je ne vous minimise pas. Je ne vous méprise pas. Vous avez tellement une soif de visibilité qui fait en sorte qu'on ne peut pas avoir une proximité, vous et moi. Je peux spontanément venir dans vos directs et personne ne m'a jamais envoyé un message parmi vous que Nivakin, je vais faire un direct tel jour, il faut que tu viennes intervenir. Si quelqu'un ça a déjà fait aussi, qu'il ramène les captures d'écran aussi ou bien les enregistrements. Je tombe toujours dans vos directs, je décide moi-même, c'est moi-même qui demande à monter dans vos directs. Je parle, je verse mon venin, je quitte là, je parle. Je vous ai tout dit, ma bouche est une arme de dissuasion. Ma bouche, si là, je peux battre tout un village, ici là, dans la cuisine, là où vous parlez, si. C'est tout. J'ai fini avec, je bois encore mon petit truc là, c'est ça qui me donne l'énergie du Congo, ça là. C'est déjà fat. Je tiens un peu de taf là pour mes copines qui m'aiment. Et je veux aussi vous dire, le banga n'est pas mauvais, c'est son nom qui est gâté. Et je n'encourage personne à aller avoir acheté le banga. Ça coûte d'abord cher. Il faut avoir un peu de moyens pour avoir ce genre d'envie là. Voilà, d'accord. Surtout, je précise ici en Europe.
je précise. Adriana et Nikki, merci, c'est gentil. Je le précise. Donc, je n'ai encouragé personne. Les pères et les mères qui nous reprochent souvent qu'on garde les... Éduquez vos enfants chez vous. N'éduquez pas vos enfants sur les réseaux sociaux. Ils vont se perdre. Nous, on va toujours parler des trucs là pour les noyer. Parce que leur place n'est pas ici sur les réseaux sociaux. Envoyez vos enfants là où ils doivent être. Moi, dans ma famille, les enfants ne regardent pas le direct. Donc, je suis désolé. Que chacun préserve sa progéniture. Vous êtes champion pour venir conseiller les vieux pères qui baisent déjà, qui connaissent déjà le mal et le bien, qui ont traversé de pays en pays, qui ont fait des choses même que vos grands-parents n'ont pas fait. C'est eux que vous venez conseiller. S'il vous plaît, gardez aussi vos petits conseils là pour vos progénitures. Les filles avaient les quatre pères, quatre enfants, quatre pères différents là. Dites à vos enfants comment vous avez raté la vie. Ne venez pas jeter votre venin sur nous. Non. Je ne suis l'éducateur de l'enfant de personne. Les enfants ne sont pas ici. Je veux parler de mon sexe, de ma sexualité, de mes amis, mes débats, mes trucs, librement, parce que je trouve que je suis dans un pays où j'ai ce droit. Le téléphone, c'est pour moi. Quand vous allez me voir au Cameroun, vous allez me voir seulement à l'église. Même au bar, vous n'allez pas me voir. Si je ne suis pas à l'église, je suis au champ. Parce que vous aimez qu'on vive comme ça. Et puis quand je vais finir de vivre église chant là, je vais toujours revenir vivre ma même vie ici. Et puis rien ne sort. Donc, cherchez l'argent, soyez heureux pour vous. Ne pleurez plus nos sorts. Ma croix ne pèse pas. Je peux la porter moi seul. Ne m'aidez pas. Portez vos croix. Si vous n'êtes pas obligé de m'aimer aussi, je voulais aussi vous dire ça. Vous n'êtes pas aussi obligé de m'aimer. Ça, le fait que vous m'aimez ou vous ne m'aimez pas, ça ne m'empêche pas d'être heureux. On est ensemble, on sera tous ensemble. Tu me cherches les problèmes, je t'insulte. Tu ne me cherches pas les problèmes, on est là, on vit. On peut même aller au ciel, on peut même sortir, on peut même manger. On peut faire beaucoup de choses, mais ne traverse pas les limites. On ne me marche pas sur les pieds pendant longtemps. Ça, c'est aussi ma règle d'or. Et le port du cerveau qui est obligatoire, ça, c'est primordial. On ne peut pas... Cette règle-là, vraiment, même mes parents, j'exige qu'ils respectent cette règle-là. Le port du cerveau, c'est obligatoire. Avec ça, on ne peut pas être tranquille si on n'a pas porté son cerveau. Voilà. Je veux boire un petit truc sucré. Vous savez aussi que le banga a une certaine alimentation. Donc, n'achetez pas seulement le banga parce que vous dites que oh, faut manger aussi un peu bien. Moi, j'ai les compléments alimentaires. Quand il n'est pas faim, je bois, je jette dans ma bouche et bois. Je bois dans la bouche, mes frères. Oh, mes soeurs, ne me détestez pas. Comme vous me voyez comme ça, j'ai un beau. Mes parents, c'est pas que mes parents m'ont envoyé en bec de traverser le désert. Donc j'ai le droit de vivre, m'exprimer comme je veux, s'il vous plaît. Patientez-moi comme ça. On est ensemble. On peut faire beaucoup de choses en dépit de ma sexualité. Voyez la chose autrement. On dit quoi? Justice pour Martinez Zogo, comme monsieur Anoua là, non? C'est comment là-bas au Cameroun, je n'entends plus l'histoire là chauffer un peu beaucoup. Hein. Et les choses de mon pays... Hein. Ou bien le père Paul a déjà accompli sa promesse. Paul a accompli ta promesse. Le père a accompli ta promesse. Le père a accompli ta promesse. Papa a accompli ta promesse. Popolo. Paul Biya, notre père. Popolo. Popolo, oui, Paul Biya, tu es le président. Paul Biya, tu es l'élu du peuple. Tu es l'élu de toutes les dirigeants. Biya, accompli ta promesse. Biya, accompli ta promesse. Peuple, accompli ta promesse. Oui, Paul Biya, tu es le président. C'est comme ça qu'on demande. La main qui demande doit être
doucement. Vous voulez tout revendiquer beaucoup de force. Ce n'est pas bien, c'est ça qui amène les problèmes. Avec douceur. Mais tu parles à la politique, on ne revenait pas percer ma tête là. On vous aide là sur Facebook, je chante. Moi, je respecte les personnes qui sont âgées. Je ne peux pas, moi, je respecte. Si je respecte ma grand-mère, je dois respecter le père Paul. Ceux qui lui manquent le respect là, c'est parce que même leurs parents, ils ne respectent pas. Voilà. Mais je sais que le père va me comprendre. Les vrais coupables, on va les arrêter. Vous tournez, on va vous arrêter. Ce que le soleil a vu. Sia, Leonardo, on dit quoi? Ça fait un petit bail. Hein? Ce que le soleil a vu, hein? Les hommes le verront. Mm-hmm. Un jour. Non, la Prado, tu sais qu'ici en Europe, il y a même les feux de circulation, c'est la caméra, non. Et nos plaques d'immatriculation ici, ce n'est pas comme embrouillé. Si la caméra a vu ton immatriculation, c'est toujours attribué à lui. Une plaque est attribuée à une personne, ce n'est pas 10 personnes. Mm-hmm. Donc, même si la Prado noire là me prend, j'espère que ça sera une Prado jolie. On peut même aller faire les choses là-bas. Merci Rosalie Cassandra, ma soeur, ma lionne. Voilà alors les lionnes qui me connaissent. Ma soeur, est-ce que depuis que tu me connais, Maro, on gagne ni même me belle 100 kilos à Mozi. Mm-hmm. Voilà mes soeurs ici. Je voulais aussi vous dire. Parce que moi, je vous dis tout. Je voulais aussi vous dire que j'ai envie d'aller en Jamaïque. Mm-hmm. J'ai envie d'aller sur la tombe du père Bob. Lui voir lui-même pour lui dire que le père, qu'est-ce que tu avais mis dans la chose ici? Qu'est-ce que Zonga Fourité? Non. Est-ce que tu sais que le père, tu réunis des millions et des milliards d'enfants dans le monde entier? Dans le 11 mai de l'année, si là, non. J'ai envie d'aller en Jamaïque. Si quelqu'un qui m'aime là, il me paye le billet d'avion, il m'envoie en Jamaïque. Je pars là-bas voir le père Bob. Il filme le départ là-bas, il rentre ici là dans la chaise roulante. C'est même. Comme ça, il échappe même. La mort, c'est la lâcheté. Vous ne savez pas ça. Vous qui pleurez souvent beaucoup les morts, vous enroulez au sol là. Tant qu'il m'a avec les crédits des gens là. Vous croyez qu'eux-mêmes, ils ne sont pas contents d'être morts. Quelqu'un doit 80 millions, il meurt. Vous venez, vous roulez au sol. Il est parti, il a fui ses problèmes. Il a fui ses problèmes. Laissez le père se reposer. Quelqu'un doit 80 millions. Il est 11 devant 11. Et vous voulez qu'il reste en vie. Tu regardes même son âge. Même si on dit qu'il va travailler. Travailler comment? Non, arrêtez souvent. Quand les gens me renseignent, vous d'abord, un peu dans leur vie. Rosalie, merci, c'est gentil. Je ne montre jamais le côté sien. L'autre m'avait dit que ma maison, que. En fait, l'autre m'avait dit qu'ici chez moi, comme il ne montre pas souvent, non. Que notre, c'est la cuisine ici, et puis ici, c'est voilà, le lit ici. Ça va être chaud là-bas. Il y a dit que je savais qu'on habite dans 120 mètres carrés, madame. 120. Le balcon, c'est seulement 20 mètres. Donc calme-toi. Les gens ont décidé d'être un peu discrets. On vous a trop montré nos choses à un certain moment. C'est. On veut aussi se cacher. Vous ne pouvez pas nous reprocher qu'on commence à se cacher. Pourtant, vous savez qu'on vous a tout dit. Et quand on vous a tout dit, tout ce qu'on a tout fait, ouais, c'est le rejeteur, je sais quoi. Ça commence à aller un peu depuis qu'on cache aussi. Hein? Supportez. Peut-être on va commencer à vous dire après. J'aime le justice. Je vais envoyer ça au Cameroun à ma grand-mère. Elle va apprécier ça avec moi. Si quelqu'un part au Cameroun, qui peut payer là, il lui donne même une palette, il met dans le sac. Ma grand-mère boit aussi ça. Je dois partager tout avec elle quand elle était bébé. Quand elle était bébé, elle me portait, elle m'attachait au dos. Si elle mangeait bien, elle me jette un petit comme ça, elle mange. Donc pourquoi elle veut boire ça, elle ne boit pas. Je vais l'envoyer ça. Quelqu'un part au Cameroun, elle me contacte.
Kasangazo Il faudrait que je recommande encore le truc pour les lèvres là. Ah, le soleil c'est chaud. J'ai décidé même que même les regards, je n'affronte plus. Je veux commencer à crâner. Parce que vous savez que quand les gens sont humbles, vous commencez à leur manquer de respect. Donc, je veux commencer à crâner. Donc, pourquoi que tu m'assoies à ma côté de quelqu'un? Il me paye 3 bouteilles de champagne. Comme nous, on vous accorde notre présence et notre temps-là, vous voulez souvent nous manquer de respect. Tu as vu ça, non? Maintenant, tu as vu avec la barbe, je vais mettre la perruque, comment ma soeur. Peut-être un jour, je recommencerai. Mais pour le moment, là, je ne suis pas là-bas. Merci, Rosalie. Pour le moment, là, je ne suis pas là-bas. Donc, maintenant, on a appris à rester aussi chez nous. Tu vas me tuer, que tu deviennes très belle. Tu as vu une femme, ou bien les femmes dans ta famille, ils ont la barbe. Vous voulez tout qu'on vous insulte, même quand les gens veulent causer gentiment avec vous, vous venez tout avec les petits trucs pour énerver. Si ta mère a la barbe, c'est là où tu peux me traiter de fille. Dans le camp contraire, jusqu'à preuve de contraire, je sais que voilà mon zizi ici, là, qui moi me met la main, il ressent tout ça. Bien, si tu es né par une bite, on t'a pissé. Pour venir me dire que tu es belle. J'aime pas souvent certaines appréciations machiavéliques là, garder ça pour vous. Hein. Tu es belle. C'est ton père qui est belle. Et ta mère est beau. Ton père est belle, ta mère est beau. Chienne. Tu es belle. Quelle biandité. Pour une petite chose qu'elle peut mettre à quatre pattes et baise jusqu'à. Elle jouit comme la rivière. Elle vient me crier que tu es belle. C'est ton père, c'est lui qui est très joli, très belle. Avec sa petite poitrine bien. Voilà alors Ninon Diana Mbaga qui m'apprécie bien ici. Merci ma soeur, je prends ce genre de compliment. Non, je ne veux pas. Ne m'appréciez pas que je suis belle. Je suis beau. Jusqu'à preuve de contraire, mes parents savent que je suis un garçon. C'est moi-même qui ai venu virer mes choses derrière là. Ça ne les regarde pas. Donnez-leur encore le droit d'être les parents d'un garçon. Oui. Quand je veux vouloir être une femme, je vais aller. Je connais là où on boit les hormones et c'est gratuit. La transfusion, la poudre de poussière veut devenir une femme, c'est gratuit. Ça ne me coûte rien. Je parle, je vois mon psychologue que je ne supporte plus d'être un homme. Et l'État belge prend en charge de A à Z. Je deviens une femme avec les loulous. Cette route-là, je connais. Pour le moment, je ne suis pas encore partie là-bas. Et ça fait longtemps qu'ils connaissent ça. Ce n'est pas aujourd'hui. Tu viens me crêter de belle. Belle lan oiseau. Tes frères qui sont belles. Non, je suis pas moi belle. Oh. Pour me traiter de fille, il faut avoir couché avec moi. Tant que toi et moi, on n'a rien fait. Ne me traite pas de fille. Ça, c'est pour les hommes. Ou bien si tu connais ton frère, ou si tu sais que ton père et moi, on sort ensemble et que tu nous vois, ou bien ton frère, viens me traiter de femme. Mais dans le cas contraire, je suis un homme. D'accord, je te laisse alors. Dis que pardon, je laisse. Je voulais juste préciser ce petit point-là. Parce que vous extrapolez souvent un peu. Je suis beau. Je peux te faire l'amour. Et tu te reproduis. Voilà. Jamais plus tu ne me crées de fille. Parce que ta mère n'a pas la barbe et un pénis. Pour venir me crêter de fille. Si ta mère a la barbe et le pénis, là, tu me crées de fille. Dans le cas contraire, non. Je vais couper. Je vais aller faire mes choses. Bye. Je vous aime. Bonne journée à vous. Allez profiter du petit soleil qui est sorti ici. Merci, c'est gentil, langue de bois. Allez profiter du petit soleil ici. Moi-même, je vais aller marcher là. À la cloche d'or. On appelle là-bas quoi? Au Kishbeck. Je dis même à la cloche d'or. Au Kishbeck. Là où il n'y a que les pins, un genre là.
Père m'assoit au café là-bas. J'explique le Cameroun. Non, je ne peux pas enlever ma barbe encore. Je ne peux plus. Moi-même, j'aime ça jusqu'à. Je vais aller m'asseoir là-bas. Mais je vais aller me coiffer quand même. Je vais aller me faire les bords. Je vais aller me crasser la barbe. C'est que pour le moment, je ne suis pas trop dans le mood là. Je suis un terrain conquis. Je suis pas. Je ne cours plus. La course est finie. Dans les petits bordels là. Cherchez à sécuriser quelque part. Quand on aura envie d'en parler, on viendra vous dire. Ce n'est pas encore le moment. Mais tout ce que vous êtes en train de raconter, ce que vous pensez, vous dites, vous êtes à côté de la plaque. Vous n'êtes même pas en dessous de la plaque. Vous êtes à côté, complètement de l'autre côté de la route. Donc, allez profiter du soleil. Les mains là, lavez-vous avec les feuilles de laurier. Je sais que vous avez vu trop de paix. Lavez-vous avec les feuilles de laurier. Le gros sel, ça chasse des mauvaises ondes. Vous lavez, vous vous maquillez bien. Vous laissez les petits chocs que vous suppliez là. Vous partez vous asseoir dans un bon quartier, même si tu habites en province. Tu prends le RER ou bien tu payes même le taxi. Tu pars t'asseoir dans un vrai quartier. Tu prends un vrai petit café. Voilà. Ne laissez pas vous lamenter dans les maisons, vous entretenez les petits shows. Avec l'argent que le social vous donne, et puis ça vous rend dépressif, vous devenez aigri, vous ouvrez les faux profils, vous insultez les enfants des gens à longueur de journée. On ne connaît même pas qui vous êtes. Je vous donne le conseil aujourd'hui, allez vous chercher les mamans. Les blancs aujourd'hui n'aiment plus trop les petites filles, ils aiment les femmes âgées. Ce sont les pervers narcissiques là qui aiment encore aller en Afrique prendre les petites filles. Sinon, les blancs là, ils aiment un certain âge. Je parle des filles. Hein. Dans moi, ma communauté, c'est le contraire. Quand tu arrives à un certain âge, là, tu commences. Plus tu prends de l'âge, plus tu es déclaré non partant. Donc, les petites bordelles pédées là, je vous dis tous les jours. Hein. Nous, on n'est pas allé à l'école, mais ça gamberge là-dedans. C'est tout. Cherchez-vous. Si quelqu'un est un peu perdu, il peut me contacter. Moi, j'aime parler. On va discuter. Trouver. Toujours, il y a les solutions pour tout le monde. Mais, il y a un mais. Il y a un mais dans tout. On ne peut pas parler avec tout le monde. C'est aussi ça le problème. Parce que vous êtes que, quand on parle un petit truc, vous transformez comme vous voulez que la conversation tourne à votre faveur et en votre sens. Vous allez prendre ça. Certains, j'ai parlé avec certains gars qui sont allés dire que je les ai gragués. Je ne peux pas graguer quelqu'un sur Facebook. Et vraiment, je vous dis ça. Je ne peux pas commencer à graguer. Moi, c'est moi qu'on tacle toujours. Cynthia, merci, c'est gentil. C'est moi qu'on tacle toujours. Si j'ouvre mon IB, c'est le taclage absolu. Mais comme je ne sais pas alors si ce sont les pièges ou c'est. Parmi les taclages, là, c'est ce qui me plaît. Mais le cœur. Le cœur. Le cœur bat toujours que maman. Nous, on a vu les 100 cailloux déjà défiler ici. Là, on ne veut pas voir pour nous. Donc, on sélectionne encore. Mais nous vivons. Derrière ça aussi, on trouve notre intérêt. Ça marche. Essayez pour vous, ça va marcher aussi. Mais ne prenez pas tout le monde. Ne soyez pas trop proche de vos fans. Ça aussi, ça amène au manque de respect. Choisissez, fonctionnez avec l'instinct. Moi, je peux, quand j'ouvre mon IB, il y a des gens que, bon, je regarde le message après, j'ai envie de répondre. Iris Raphaël, bonjour, comment tu vas? Après, il y a des gens qui peuvent m'écrire 1000 ans et ne répondent pas. C'est parce que je trouve toujours ce qu'ils disent. C'est un peu... Quand tu regardes le personnage, entre les photos qu'ils essayent souvent d'utiliser, parce que beaucoup là aussi, ils disent, oh, chasse. Aïe. C'est quoi le bruit là? Ils utilisent souvent aussi d'autres photos. J'avais parlé avec un comme ça jusqu'à commencer à aimer un peu. Après, peut-être après une semaine comme ça, il me dit que je vais te dire un truc, je vais te montrer ma vraie photo. Maman, non, Durunga, mais je me suis vu zéro. Dans tout l'amour là, tous les bébés là. J'ai dit, c'est ta crape, mon frère. Tu vas me rembourser toute l'attention là. Ça coûte cher, hein. Déjà, je parle avec toi. Comment tu as dormi? Je m'inquiète. Je crois que c'est le joli qu'il voit sur la photo là. Maman, c'était le ngombe qui était caché derrière le profil.
C'était le ngombe qui était derrière. Il m'a dit que papa, je crois qu'on va laisser. Je blaguais. Moi, je savais que ce n'était pas toi. Comment on n'aime jamais mourir comme ça, non? Tu vois un peu. Tu dis que moi-même, je savais que ce n'était pas toi. Tu crois que je suis bête? Ah, tu ne me connais pas. Hein. Pourtant, hein, papa, tu étais dans le bain jusqu'à. Et tu m'avais dit qu'il habite sur les Champs-Élysées. Que son père est ministre au Cameroun. Que. Qu'il est discret. Mais il m'a choisi. Il dit que maman, tu es discret, tu m'as choisi. Vraiment, ce que tu dis, c'est donc tu es discret et tu m'as choisi. Ah, moi, je m'étais choisi alors. On commence la relation quand. Quand elle a répondu comme ça, elle a compris que pardon, je ne suis même pas dans sa danse. Tu es discret, tu m'as choisi. Tu n'as pas choisi ce qui vous montre qu'eux connaissent le mal préparé. Que eux sont polis, les hypocrites là, avec les doubles vies là. Tu ne les as pas choisis. Hein. Eux qui reflètent la discrétion. C'est moi que tu es venu voir. Papa, moi-même j'étais choisi. On va être très discret. Très, très. Et tu as vu, il a fait la discrétion. Pourtant, c'est ce qu'il a demandé au début. Hein. Écrivez-nous les messages, on va tout répondre. Surtout quand c'est les gragueurs là. Les filles qui viennent souvent me demander que ouais, ni pourquoi tu es même pédé là, je vous bloque directement, je ne vous réponds même pas. Ma. Bon, je vous laisse. Je viens de recevoir un message qui est très important pour moi. Il faut que je le réponde absolument. Je vous aime bien, mais je me préfère. Agréable journée à vous et allez profiter du soleil, comme je vous ai dit. Bisous.